comment. Comment, après tout ce temps, ce moment précis de Twin Peaks reste le moment de fiction qui, de ma vie, m'a donné le frisson le plus glacial. Cet endroit, c'est la Black Lodge, un espace surnaturel où le héros Dale Cooper, une sorte d'Orphée moderne, va faire face à toutes sortes de chimères. Dont celle de Laura Palmer, la fameuse assassinée de la série qui hante chaque plan. Et des hurlements, on en a entendu des centaines, des milliers, mais celui-là, il est différent. Bien sûr, la mise en scène y est aussi pour beaucoup. L'étrangeté des mouvements passés à l'envers, les yeux révulsés qui déshumanisent Laura, la légère contre-plongée qui nous rend vulnérables, dominés, et surtout, surtout, ces moments de ténèbres. Ces moments qui nous font perdre cette apparition des yeux au moment précis où tous nos sens nous hurlent de la surveiller, de la contenir. Tout suinte la menace, l'urgence, tout crée un pur réflexe primitif de défense. Et bon, ça, c'est de la mise en scène. C'est contrôlé, c'est pensé. Mais là, dans ce moment, il y a autre chose. Pour les gens qui, comme moi, sont sujets aux cauchemars de ténèbres, on touche à quelque chose de profond. Tous nos fantômes, tous mes fantômes, ils sont sur ce visage. I hope that I never see that face ever outside of a dream. C'est le moment où tout bascule. Un récit qui bascule, c'est un vertige particulier. Appelez ça un twist, un retournement, ce que vous voudrez. Quand une révélation nous emporte, un mystère nous enfouit, quand les rapports de force s'inversent, quand une partie étrange de notre perception est activée. Un écho, un miroir, une inspiration. C'est vissé en nous. Et puis, il y a ça. Ces moments où l'on ne sait plus ni où, ni pourquoi on bascule. Le cri de Laura Palmer n'est pas juste un cri désagréable. Après de nombreux épisodes à préparer le terrain du subconscient, à distiller dans notre esprit une intuition des mystères et des symboles de Twin Peaks, David Lynch nous a forcé à ouvrir une porte dans laquelle ce cri s'engouffre. Un détail, un simple clignement d'œil, et quelque chose a changé. Subtilement. À la lisière. Oh, non. Et ce basculement, où est le passage ? Regardez ça. Et bah ça, ce n'est pas un film. C'est un support qui contient la possibilité d'un film. Parce qu'un film est ce qu'on appelle un objet temporel. Ce qui veut dire que contrairement à un tableau ou à une photographie, par exemple, il existe uniquement à travers son déroulé. Quand un film n'est pas projeté, que personne à travers le monde ne le regarde, et bah son dispositif existe. Ses photogrammes pris séparément, ou les données numériques qu'il compose. Mais l'œuvre en tant que telle, dans son intégrité, elle n'existe plus. Elle est hors du temps. Elle n'existe qu'à travers le souvenir qu'on en a. Et plus j'y pense, plus je trouve ça fascinant. Un film, c'est une œuvre qui s'extrait du néant, puis y rebascule. Encore, et encore, et encore. Le temps. Il est peut-être là, le passage. D'une personne à l'autre, l'estimation du temps passé devant un même film varie parfois énormément. C'est la preuve qu'on est face à une matière que le cinéma pétrit à sa guise, et dans laquelle on s'échappe tous à notre manière, très personnelle forcément. Et bien sûr, le montage est l'outil par excellence qui permet de manipuler, de distordre ce temps. Une fausse saute de bobine pour nous prendre à la gorge, comme si le film lui-même nous attaquait. Les coupes à la Terrence Malick qui nous montrent la mélancolie du temps qui passe. Ou encore ces moments où, littéralement, le temps bégait pour accentuer l'impact d'un effet. Tout ça,
n'a rien d'évident. Aucun de ces exemples n'est évident. Via le montage, le temps se découpe, se recompose, se diffracte. Il devrait heurter notre perception de la réalité. Sauf que face à l'écran, ce langage de l'image nous semble bizarrement logique. Mais la vraie magie du temps, elle est peut-être vissée plus profondément, au cœur même de l'image. Quand cette image est chargée, qu'elle vibre. Une longue chute hallucinatoire. Un horizon qui gronde. Certains cinéastes s'en sont fait une spécialité, depuis Andrei Tarkovsky jusqu'au grand du fantastique japonais, pour fouiller les ténèbres, habiller la lumière, aiguiser nos sens. Который начинается с момента, когда мы говорим начали, и кончается, когда мы скажем стоп. Что это такое? Фиксация по существу времени. По существу, что такое фильм? Это мозаика из времени. Parfois, les images sont vides, sèches, elles ne racontent pas grand-chose, et le montage ne devient alors qu'un simple cache-misère, comme une poupée désarticulée. Mais certaines ont ce rythme, cette qualité hantée. Et là, l'articulation devient évidente, vivante. Quelque chose se passe. Un cri hors du temps, qui va puiser très loin. Un cri qui se faufile dans les interstices, qui est chaotique, au bord de la rupture. Et du coup, quand est-ce que cette magie est capturée? Pourquoi ce plan final de Mélancolia a ce souffle d'infini? Pourquoi à lui seul, il pourrait presque se substituer à tout le film? Parce que tout y est. Le gigantisme, la lenteur écrasante de l'astre avant l'impact, la symétrie quasi parfaite du cadre qui renforce l'inévitable mais aussi une sensation étrange d'apaisement, les personnages minuscules avec leur abri dérisoire mais parfaitement au milieu dans l'image. Parce que même si le monde entier n'existe déjà plus, à peine discernable sur les côtés, on en revient à l'humain et à l'intimité déchirante de cette catastrophe. La bascule d'Arthur dans son alter ego, le Joker, laisse avant tout parler le corps, dans une libération où même les maladresses sont d'une grâce absolue. Il est impossible de jauger objectivement pourquoi une performance fonctionne, pourquoi elle est parfois quasi magique. Mais là, la narration s'enraye, et le film nous embarque avec lui dans une transe, à même le corps du personnage, dans un rapport presque charnel, où la caméra scrute son changement jusque dans la moindre micro-expression, le moindre tressaillement. Et ce que nous raconte cette caméra est limpide. Le visage anxieux, essoufflé, les mains crispées, les pieds qui amorcent un mouvement, puis retour sur le visage, beaucoup plus apaisé que quelques instants avant. Un plan, quatre pulsations. Des pulsations captées avec une fluidité toute simple, fragile. Avec cette continuité, on reste à l'écoute face à l'instant brut. Et les rares moments de coupe ne sont jamais forcés. Comme si les images, par leur nature profonde, dictaient au montage le temps dont elles avaient besoin pour exister à leur plein potentiel. La scène pourrait avoir duré 10 secondes, ou même 10 minutes, je n'en sais rien, mais elle contient absolument tout. La tension, la métamorphose, la crasse, la beauté. Et le point commun entre ces deux moments, hormis leur économie de mots, c'est l'impression étrange que le film sort de lui-même, qu'il suspend le temps, sort de sa simple mécanique et nous laisse planer au-dessus de lui. Ces scènes pourraient se suffire à elles-mêmes, comme si la véritable œuvre était là et qu'on ne pouvait quasiment rien lui ajouter. C'est peut-être ça le Graal, ces moments augmentés qui touchent à l'éternité, qui nous donnent la sensation d'un temps qui nous dépasse, mais résonnent aussi très fort en nous. Ces moments de lâcher prise qui se libèrent d'un film pour exister en tant que tel. Ces moments où l'on bascule dans l'âme de quelque chose. Échapper au temps, échapper à notre temps. On est très loin de comprendre toutes les manières qu'ont les images de résonner en nous.
Et cette partie de l'imaginaire, c'est un peu une sorte de matière noire, une entité omniprésente, mais dont on sait finalement peu de choses, hormis qu'elle est liée à une forme d'instinct. Une manière de ressentir les situations à un niveau quasi subconscient. Quoi ? Ce pur instinct, ce pur rapport à l'image, cette partie profonde mais limpide de l'imaginaire qui nous connecte. Certains films arrivent à capter ça. Quelques instants de perfection ou parfois, grâce à un détail, tout s'élève. Avec une sensibilité qui ne peut s'apprendre nulle part. Avec une empathie et une fascination qui n'ont rien à voir avec une quelconque technique. C'est comme chevaucher à la foudre. Look, you want to know the truth? What matters to me is it's perfection. That's what it's about. It's about those moments when you can feel the perfection of creation, the elation of action and reaction. And that is the kind of perfection that I want to be connected to. À quel moment le silence prend le relais?